À Béziers, les prix de l'immobilier, c'est indéniable, sont attractifs. Environ 2700 euros le mètre carré dans le neuf. C'est un peu plus de 30% moins cher qu'à Montpellier. Et ce ne sont pas les seuls arguments de cette ville. Béziers est une ville qui bénéficie de 4 sorties d'autoroute entre la 9 et la 75, un aéroport à 20 km environ, la mer à 15 km aussi, un centre-ville haussmannien superbe et une commune avec de véritables enjeux, de véritables possibilités de développement dans le temps, avec beaucoup de création en ce moment de zones de parcs d'activités, avec une certaine dimension biotech, etc. Dans l'ancien, les prix vont de 500 à 900 euros le mètre carré pour l'hypercentre en pleine rénovation. 800 à 1500 euros pour le quartier populaire de la Devèze ou encore 1500 à 2300 euros pour les arènes. Des prix assez bas, mais l'immobilier biterrois n'a tout de même pas été florissant ces dernières années. Si on reprend donc sur 2014, on avait une offre qui était 20% supérieure donc à la demande, donc qui était la résultante depuis les années fin des années 2000 et l'entrée de 2010 où donc nous étions sur des années baissières. Et depuis donc 2014-2015, nous sommes sur une tendance donc à la stagnation au niveau des prix. Béziers est redevenu attractif grâce au travail de rénovation dans le centre. Ajoutons le renforcement du prêt à taux zéro depuis janvier. Il permet d'entrevoir une belle dynamique pour 2016. Les effets devraient se faire sentir au deuxième trimestre de l'année.